morning. Avant de passer à la parole ce matin, we're just going to have a short testimony from my brother Casey. Nous aurons un témoignage de la part du frère Casey. Hallelujah. Amen. Our Lord is good. Dieu est bon. The Lord is good. All the time. Amen. A few months ago, I came out here to testify about how God blessed my pastor back home in my country, Nigeria. Il y a quelques mois, j'avais donné un témoignage par rapport au fait que le Seigneur avait béni mon pasteur au Nigeria. How God has decided to bless him with twins baby after 14 years of marriage. Et comment est-ce que le Seigneur a eu à le bénir avec des jumeaux après 40 ans de mariage? But this time, God decided to channel the blessing to my family. Et cette fois-ci, le Seigneur a décidé de bénir ma famille. It's about my cousin brother. C'est par rapport à mon cousin. Who was married for some years without a child. Qui était marié et n'avait pas d'enfant pendant des années. And God answered him. Et le Seigneur lui a répondu. With 5 babies at once. Avec 5 bébés du coup. Hallelujah. Amen. Are you surprised? You are surprised. But there was a little bit of complications during the delivery. Mais il y avait une petite complication pendant l'accouchement. Two out of the 5 could not make it. Et deux n'ont pas pu survivre. Well, these are the 3 survivors. Mais voici les 3 qui ont pu vivre. Can somebody clap for Jesus? Amen. Amen. I think God is speaking to someone in the house. Et je pense que le Seigneur parle à quelqu'un en ce lieu. That woman, that lady. Une femme, une fille ici. Seeking for the fruit of the womb. Qui cherche le fruit de ses entrailles. I just want you to hold on to your faith. J'aimerais juste que tu t'accroches à ta foi. Believe that what is meant for you is for you. Crois que ce qui est à toi est à toi. And when God says yes in your life, no one can say no. Et quand Dieu dit oui dans ta vie, personne ne peut dire non. Hold on to your faith. Accroche-toi à ta foi. Even though when someone decides to discourage you. Et même si quelqu'un veut te décourager. Just give that person a word. Dis une parole à cette personne. That you know your Redeemer lived. Dis que ton Rédempteur vit. And there is something spectacular about God's time. Et il y a quelque chose de spectaculaire par rapport au temps de Dieu. And when God's time comes in your life, quand le temps de Dieu vient dans ta vie, no one can stop it. Personne ne peut arrêter ça. Hallelujah. Amen. Amen. Let's pray. Father, I just thank you for this moment. We thank you for the time of our worship. We thank you for the time of our giving. We thank you, Lord, that every seed that has been sown is being blessed in Jesus' name. As we pray that as we go into your word, Father, it will be